The Alps are remarkable, but not only for their beauty. They also provide us with a unique perspective on how climate change may impact our future. C'est un laboratoire incroyable pour travailler et étudier les effets du changement climatique sur les milieux, sur les écosystèmes. What makes this environment so special is that the climate varies across the mountainside. For every 100 meters of elevation gained, the temperature drops about 0.6 degrees Celsius. When you combine that with the mountains' changing slope angles and orientations, and their different temperatures, from warm sun-baked rocks to cold snow beds, the result is a wide variety of microclimates. Chacun de ces microclimats héberge son propre écosystème avec ses plantes et ses animaux. Le changement climatique est deux fois plus rapide dans les Alpes que dans la moyenne de l'hémisphère nord, et il est donc particulièrement visible ici, puisque tous ces écosystèmes sont rassemblés dans un espace relativement réduit. Temperatures are rising, leading to changes in snow cover and summer droughts. This has huge impacts on the living world. At mid-elevations, the Mont Blanc Massive has already lost more than a month of snow cover in the last 40 years. An equivalent decrease in snow cover is expected by 2050. The big question is, how can species adapt to such rapid changes in their environment? En montagne, tout est histoire d'espace et de temps. Où on s'installe, où compte, on se reproduit, est déterminant pour la survie. Et où et compte sont en train de changer rapidement. The greening of Mont Blanc is a good example of the changing distribution of different species. Plants and trees are being observed at ever higher elevations, climbing roughly 30 meters every decade. Les changements climatiques en cours vont créer des opportunités et des nouveaux habitats pour certaines espèces. Par contre, d'autres espèces, typiquement alpines, risquent d'être défavorisées par la hausse des températures, les sécheresses et la compétition. For animals, changes in distribution are even greater. They're moving 100 meters upslope every decade. Changing seasons also have a significant impact on life. Le changement climatique entraîne des profondes modifications des rythmes saisonniers, c'est-à-dire les dates de floraison, de reproduction, de ponte, etc. These seasonal events are advancing by 2 to 5 days per decade for plants and land animals. Climate change alters where and when species thrive. Some species can adapt much more rapidly than others, which can result in major problems related to desynchronization between different species. Chez le chamois, la naissance des jeunes coïncide avec le pic de végétation, et avec le changement climatique, on observe une plus forte mortalité des jeunes parce qu'ils ne trouvent plus les ressources nécessaires au moment où ils en ont le plus besoin. Just as the physical environment is changing, so too are plants and animals. All of this together is transforming the alpine landscape. Ces paysages sont aussi notre habitat, culturel, économique et même émotionnel. La question que nous renvoie l'observation de ces espèces alpines, sommes-nous nous-mêmes capables de nous adapter à des changements aussi profonds? Science can't answer this question, but it can help inform citizens and decision makers as they develop strategies for adaptation, which is one of the reasons that it is so important to study the evolution of our mountains.